Et salut à tous, c'est Zorobama, aujourd'hui pour l'épisode 9 de Pokémon Diamant Étincelant. Donc on a fait la deuxième arène, donc on a pu récupérer le petit badge forêt que vous voyez du coup sur notre image badge. Étourvol a survolé l'arène, clairement il va défoncer tout le monde. Donc maintenant ça veut dire qu'on peut avoir des Pokémon échangés jusqu'au niveau 30 qui nous obéissent. Et utiliser la capacité coupe qu'on va récupérer maintenant. Ah bah voilà, bah là tous les gens sont en émoi, tous les gens sont heureux. Car on rencontre Cynthia. Voilà pourquoi tout le monde est content. Tiens, mais c'est un Pokédex. J'en conclus que tu assistes le professeur Sorbier dans ses recherches. Comment t'appelles-tu? Enchanté, Zorobama, je ne dirai pas ton nom. Moi, je m'appelle Cynthia, je suis dresseuse comme toi. Mon passe-temps est d'étudier les mythes sur les... Pokémon. Ici, à Vestigion, se trouve la statue d'un... Pokémon. Des temps anciens. Si on en croit les mythes, c'était un... Pokémon. D'une puissance incommensurable. Incommensurable, quel plaisir. Qui sait? Tu rencontreras peut-être une créature de ce genre en voyageant avec ton Pokédex. Oh, j'y pense, j'ai un cadeau pour toi, ça devrait être utile. C'était 93, donc la CT coupe. Capacité secrète coupe permet de couper les arbres fins qui bloquent le passage. Utilise coupe avec ta Pokémontre pour accéder à des endroits autrement inaccessibles. Ça pourra te servir pour remplir ton Pokédex. Que la chance accompagne, jeune dresseur. Et voilà. Donc c'est à côté du centre galaxie de Vestigion. Pour ceux qui voudront récupérer la petite CT coupe. Alors je crois qu'il y avait... Non, c'est pas là. Il y avait des arbres à un endroit. Mais déjà j'ai oublié une Pokéball là donc. Une potion. Déjà il y a des baies, on va la récupérer. Ah ouais, on arrive là. Ok, donc ça évite de se retaper toute la forêt, quoi. Ok. Je vois que tu sais décorer les capsules ball. Tiens, voilà pour toi. 3 sauts feuilles bleues, feuilles B. Quand les B, j'ai juste envie de trouver des sauts. Ok. De poule à remonter. Et là c'était blabla dodo. C'est quoi cette CT? What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette CT? On nous dit la 82. Déjà la poule à remonter, c'est quoi? Objet tenir, poule d'argent brillante qui augmente la puissance des capacités de type insecte. Ok. Une de ses capacités au hasard pendant qu'il dort. D'accord. Ok.
Alors, je vais soigner les Tourvel. Qu'il a encore. Il est pas rétabli de sa paralysie et de ses PV. Ok, d'accord. Pokémon indicateur d'amitié. Heureusement que je vais parler en fait elle. Indicateur d'amitié montre l'amitié. Mesure l'amitié que vos Pokémon vous portent. Là, faut que j'aille choper le mec de la bicyclette. Le bicycle. Galaxie est trop à l'étroit dans ce monde, son regard se porte au lumière. Même le QG est une galaxie, es-tu venu faire un don de Pokémon? Quoi? Tu n'es pas là pour ça? Alors fais-moi le plaisir de me décamper. À moins que tu préfères subir le sort du gérant de la boutique de vélo. Désolé mon chou, la Team Galaxy n'accepte pas les enfants. Transformons des Pokémon en vue d'une opération spectaculaire. Nous ne tolérerons pas que quiconque s'oppose à nous. Voilà, ça va être pic-pic. Dégage. Et là pareil, blinde Alice. Oh oui. Pas zone 2. Que le moteur qui doit pas tarder à prendre un niveau encore. Surveiller l'avenir pour que je puisse prendre Noël.
Tu es trop également pour les défendre, mais la seule personne qui met en travers de notre route. Pour prendre plus vantardise. Galaxie sur une nouvelle source d'énergie pour assurer notre avenir. Merci. Hop. Voyons si ce Pokémon est doué. Je l'ai volé à un dresseur. Alors, bravo. On va plus choisir notre Pokémon si tu l'as volé à Narminis. Niveau 15, là. Oh, Kaido qui passe 19. Oh, merci à toi. J'adore que les gens viennent nous donner là. Pokémon de leur plein gré. Mais comme tout, tu peux pas comprendre les grandes espaces de Team Galaxy. Remarque que j'y pense, je comprends pas grand chose non plus. Notre mission de mener à bien nos opérations sans poser de questions. Nous devons tout faire pour que notre boss instaure un nouvel ordre mondial. Super. Nico, le scientifique.
Ah, il a un Kadabra carrément. Ah ouais. C'est le seul qui a un vrai Pokémon, quoi. Niveau 15. Il essaie de l'affaiblir à fond. Bon, ok, je le one shot. Je me suis dit à la limite, je l'affaiblis. Et derrière, j'envoie une tourvol. Mais en fait, je le one shot. Bon, comme ça. C'était radical, quoi. Ah, ça y est. On est enfin en haut. Elle menace Moumoute. Moumoute, je suis là. C'est quoi leur problème? Membre de la Team Galaxy. Pourquoi ils enlèvent nos Pokémon? Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Bah écoute, Moumoute, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Ha! Question idiote. Tu veux libérer les Pokémon? Tu peux toujours rêver. Jupiter, l'admin Team Galaxy. Donc là, ça veut dire qu'on est en train de défoncer la deuxième admin, quoi. Tout va bien. Ah, niveau 18, c'est un petit quand même. Ah ouais. Ah, il a bien encaissé. La fameuse attaque regard noir de Nosferapti alors que bah... il a pas d'yeux en fait. Quelle insolence. Si tu veux, toi. Tiens, dégage. Ah, il donne que dalle en plus, elle donne que 130 là. Mouflaire. Non. Ah, il est niveau 20, sa merde là. Ah oui d'accord, mon frère il est poison ténèbre. Ok. Bon j'ai rien contre le poison et le ténèbre. Ah petit bâtard. Il va me tuer. Ça prévoir quoi, j'ai vu déjà ce qu'il a pris sur la première attaque. J'ai envoyé que l'auteur. Enfin, Castorno. Thank you.
Oh putain, il a esquivé l'attaque. Il va attaquer avant. Putain. Ah, fait chier, la roulade elle passait, il mourait quoi. Gaz toxique. Allez, dégage. À la foutre, j'ai pété sa gueule, rien à foutre de blesser. Bah Mozart qui passe niveau 22, heureusement que Mozart est là pour nous sauver le cul. Ça prouve qu'il va bientôt passer niveau 25. Donc ça c'est cool. Perdre contre un enfant en négligence me coûte cher. Eh bien quelle force, qu'importe, nous avons fini d'examiner la statue du Pokémon. Et Mars a récolté l'énergie du parc éolien. Nous n'avons plus grand-chose à faire ici. Mais laisse-moi te confier un petit secret. Notre chef a étudié les anciens mythes. Pokémon. Et grâce au pouvoir du Pokémon légendaire, il va bientôt contrôler Sinnoh. Je te conseille de ne pas te mêler des affaires de la Team Galaxy. Maintenant, si tu veux m'excuser. Grâce à toi, j'ai récupéré mon Mélophée. Mais les gens de la Team Galaxy ont vraiment un problème. Ils se sont approchés en disant « Les Mélophées viennent de l'espace, ils nous en foutent. » N'importe quoi, ils se sont vus, c'est eux qui viennent de l'espace. Enfin, ils sont partis maintenant, merci beaucoup. J'aimerais te remercier comme il se soit. Viens me voir à la boutique de vélo. Je vais avoir mon vélo. Quel plaisir. Un petit coup de soin. Alors. Ah, c'est à lui la poreille là. Oh mince, petite de vélo elle est là. Je la voyais plus basse. Alors Moumoute, merci de m'avoir sauvé. J'aimerais t'offrir une bicycle. Engage ma gratitude. Est-ce que tu veux bien me suivre s'il te plaît? Allez vas-y Moumoute. J'ai des bicyclettes de différentes couleurs, dis-moi celle que tu veux. La bleue. La bleue, c'est bien ça? Oui. Bleu, comme un carapuce émergeant de l'onde, une couleur majestueuse. À ma foi, ça te correspond bien. Vous recevez la bicycle. Vous rangez la bicycle dans la poche rare. Comme c'est une bicycle, dernier cri, laisse-moi te lire le mode d'emploi. Appuie sur le bouton B pour changer de vitesse. En troisième vitesse, la bicyclette n'est pas très rapide, mais elle est facile à manier. En quatrième vitesse, elle va très vite et permet de gravir les pentes, impraticables autrement. Et voilà, avec un peu de pratique, tu circuleras sur toutes sortes de routes sans problème. T'as une bicyclette. Tu sais qu'avec ça, tu peux dévaler la piste cyclable pour rejoindre Union Police. C'est génial de pédaler à toute vitesse. Tu devrais essayer. Ok. Ah ok, il veut pas que j'aille par là, mais il veut que j'aille de l'autre côté. Quoi. Il y a un truc derrière en plus.
Je veux récupérer. Merde. Il y avait une maison. L'herboriste. Ils vendent quoi? Que de la merde. Michael qui n'a pas un goût sur lui. Arrêtez de vous plaindre les vieux. Allez vous faire vacciner là, allez nous faire chier. Alors. Tac. Et ça. Merde. Non. Attends, quoi, ils m'ont dit quoi avec le pack là? Signer un bouton déjà. Hop. Communication sans fil locale, communication en ligne, jeu seul. Ah, ok. Donc, c'est bien ce que j'avais vu. On pouvait faire ça à plusieurs. Alors. Ah, mais c'est Arceus ça. Il y a une inscription sur la statue du Pokémon. Alors, c'est Dialga. À sa naissance, Dia nous a octroyé le temps. Que l'on rit ou que l'on pleure, c'est le temps qui s'écoule. Tout ceci grâce à Dial. Certaines lettres sont pratiquement effacées. Ah là-bas. Ah ok. Ah, faut que je pète l'arbre là. Oh, c'est celui-là. CT46, Larsen. Qui est récupéré. Ok, ils me racontent leur vie, les vieux. Vestigion. Out, out. Je l'ai one shot. C'était pas prévu. Shit. On a un Knotor, mais non, Knotor. Casse-toi. Voilà, comme ça prend un peu au filet 25. Là, y'a rien. Ouais.
Mais alors non, si je fais pic-pic, il est pas censé mourir. Je veux dire, c'est pas censé le one-shot, quoi. Hop. Gacha. On va pas lui donner de surnom à Wutout. Il a déjà un nom qui prête à être un surnom. Oh, oh, c'est une blague. Un délicieux Ponyta. Je vais l'appeler Tornado. Comme le cheval de Zoro. Sauf que de d'avoir un cheval noir, j'aurai un cheval blanc avec des flammes. Et ça, c'est beau. Voilà. Du coup, je pense que je vais le mettre là. Et comme ça, je vais pouvoir le monter tranquille, et si j'ai besoin d'un Pokémon... d'un Pokémon feu, bah au moins je l'aurai, je pourrais compter sur lui, quoi. C'est le retour de Maxime le forestier. Avec sa maison bleue adossée à la colline, elle est adossée à la montagne. Super efficace. Ça, c'est l'efficacité. Ah, parce qu'il est connu de... Elle est connue de 13. Ponyta. Changer de façon de faire, on va tous les défoncer comme ça. On critique en plus. Allez hop. Hop, j'ai détruit ce caillou avec Amawashi. Ah super, un bonhomme avec des piafs. On n'avait pas encore eu les ornithologues. Armer l'ornithologue. Un out out. Ah, il est niveau 19 cette fois-ci, attention. Bien péter sa gueule ou tout. Hop, je récupère cette petite Pokéball. La CT12 provoque.
Ok, donc là, ça doit être une pierre pour force. Et je ne peux pas aller plus loin, ok. Très bien. Ah, mais il y a ça. Il y a mes Didi, des Medica. Tiens, protège-toi mieux. Ok, bah du coup je peux pas aller plus loin là. Bah tiens. Un Medica. Voilà. Super efficace, mais est-ce que ça va le one shot? Ça va. Ok, j'ai rose bouton qui passe au 23. Ouais, moi je vais l'appeler Angoisse parce que... Il est bizarre ce Pokémon à te fixer. Non, je veux pas inclure Angoisse dans mon équipe. J'ai pas envie de faire des cauchemars. Attends, elle est où la truc là de vélo, la clôture misée? Ah, il faut que je redescende, je crois. Attends. Ah non, mais elle doit être là. C'est quoi ça? Je me demande qui je suis. J'assiste, tu crois qu'il va servir, tu connais Aura, son père. Je pars quand même au chemin pour t'aider. Ta température sort du professeur. Laisse-moi te poser une question. Comment est-ce que c'est? Non, un petit bonhomme, j'ai déjà rencontré 41 Pokémon, c'est merveilleux, le professeur Sorbet va être ravi. Voilà ta récompense. Un super bonbon. Super. Directement au niveau, c'est super bon pour ajouter la puissance d'un Pokémon un peu faible ou pour rendre encore plus fort un Pokémon déjà redoutable. Oh, pas de info pour toi. Il peut arriver qu'un Pokémon obtenu par échange refuse d'obéir quand son niveau est trop élevé. Mais ne t'inquiète pas, il t'obéira quand tu auras assez de bench. Ouais, mais je sais, ça, ça a pas changé, mon grand. Relancer le dialogue. Prenez à passer vitesse et vous pourrez aller n'importe où. Ok. Il est juste seul. Voilà la piste cyclable. Bah écoute, je m'amusais bien jusqu'à temps que tu m'interromps, connard. Vassili. Oh merde, j'ai oublié d'aller le soigner avant. Parce que c'est bon, c'est pour tomber sur Ney ou sur Aurore. Mon Tornado il passe 14. Oh, Kaido va évoluer. Oh oui, Kaido va évoluer. Incroyable. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi cette merveille. Quoi? Kaido évolue? Il va devenir un magnifique Legator, quel bonheur. Je suis tellement content. Regardez comme il est beau. Elle est magnifique comme ça. Félicitations, Kaido évolue en Léviator. Regardez comme il est beau. Ah,
Il fait 6m50 quand même. Il apprend morsure, il apprend enfin les vraies attaques. Il y a eu un bug, hein. Il est mon perso s'il met descendre tout seul. Genre juste après le combat, je sais pas si c'est je sais pas si c'est le jeu qui a enregistré trop d'infos ou quoi, ou je sais pas ce qu'il a foutu, mais... Et du coup ça l'a fait descendre, il y a bien eu un bug. Ou c'est ma manette qui a bugué, mais ça me préjuge que ce soit ma manette. Et bien du coup on va s'arrêter pour cet épisode là, on va... Le prochain épisode continue sur la piste cyclable. Et puis on verra où cette aventure nous mène. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode. C'était Zorobama et on se retrouve dans un prochain épisode. Merci à tous.